La valorisation en AOC a fait de nos faiblesses des points forts qui rendent nos fromages uniques. Profondeur de sol, orientation, dénivelé, type de roche et de flore vont guider le choix de nos agriculteurs dans la conduite de leur exploitation. Donc on a des zones forestières, on a des zones rurales, habitat, et aussi on a un espace agricole. Donc nous, notre préoccupation, c'est de regarder ce qui va se passer sur cet espace agricole. Donc ici, Marie va vous expliquer qu'elle a fait la mesure de la façon dont sont conduites ces prairies, dont sont entretenues ces infrastructures agroécologiques, et elle en déduit les indices de biodiversité grâce à toute la boîte noire de la grosse étude Indibio scientifique qui a duré 3 ans. Donc, le biotech, c'est l'évaluation de la biodiversité dite ordinaire sur plusieurs critères dans les systèmes d'élevage. Et donc ça s'appuie notamment sur une analyse paysagère et l'étude des pratiques d'élevage. Donc ce sont bien des mesures indirectes pour mettre en lien le paysage, les pratiques agricoles et l'influence que cela a sur la biodiversité. Le fait d'avoir de la prairie permanente et des milieux stables fait qu'on a quand même des milieux qui sont très costauds en termes de limitation d'impact environnementaux. Cette gestion de la prairie permanente, elle a un intérêt. C'est qu'en fait, en fonction du niveau d'intensité d'utilisation de cette prairie, les modes d'exploitation, fauche, politique de fertilisation, et ce qu'on va faire, c'est regarder cette prairie permanente, en quoi c'est un écosystème à part entière, en fonction de son mode d'utilisation. On parle aussi de compromis qui est nécessaire entre la production de fourrage et la préservation de la biodiversité. Donc il faut toujours se rappeler de l'objectif des éleveurs qui est d'aller vers l'autonomie fourragère et tout en optimisant l'exploitation des prairies de façon à ce qu'elles soient de nouveau productives l'année suivante. Le lien donc entre ces études qui peuvent paraître un peu abstraites et puis la réalité du terrain, le concret, ce qui nous fait vivre, nous producteurs fromagers affineurs, le voilà, c'est savoir dire ou montrer ce qui est fait de bien au quotidien et ce qui est fait pour la biodiversité. Derrière, les gens savent qu'il y a eu énormément de choses de faites, un grand respect du territoire, un grand respect des pratiques des anciens. Une poursuite en modernisant, bien sûr, hein, mais une poursuite qui est de la tradition, qui fait qu'après, ils ont beaucoup de choses à raconter quand ils rentrent chez eux, et en disant, on a trouvé quelque chose d'authentique. Avec un travail comme ça, avec des arguments comme ceci, quand on peut montrer ce genre de travail à un client, aussi loin soit-il, on donne de la valeur, on donne de la plus-value et surtout on fait naître le respect du travail qui a été fait avant celui de la vente. Si demain on pouvait faire ce travail sur l'ensemble des fruitières, ça serait un sacré beau projet. En tout cas, on en a envie. Il faudra qu'on en ait les moyens, il faudra le temps. Alors, notre présence aujourd'hui ici avec nos élèves est importante parce que lorsqu'ils sont en cours, on cloisonne un peu les matières, zootechnie, biologie et autres, alors qu'on veut leur montrer que finalement on a une approche globale du problème, c'est un ensemble et on ne peut pas gagner sa vie simplement avec un prix du lait et puis en le livrant. C'est du lait avec une flore, une biodiversité, avec un paysage, avec de la chimie, avec de la physique aussi, de la géographie et une histoire et un patrimoine. Donc on veut leur montrer que c'est un équilibre subtil et puis au service de quelque chose. L'enseignement a une part aujourd'hui d'affectif. On ne peut pas simplement sortir un livre, le lire, ou même projeter la vidéo actuellement dans nos cours. Il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de la passion, il faut y mettre de l'engagement. Il faut surtout que le discours qu'on donne soit compatible avec les actes que l'on pose. Et si on peut communiquer notre passion à un beau métier, c'est une matière noble. On passe d'un liquide qui ne se garde pas, qui s'appelle le lait, et on fait un fromage qui se garde. Il n'y a pas beaucoup dans l'agroalimentaire qui peuvent dire ça.
Et si on peut faire passer ce message à nos élèves, on a tout gagné. Donc ici, nous sommes dans la partie la plus haute du premier plateau sur des altitudes qui sont aux environs de 650 mètres. Vous avez 7 communes sur lesquelles se répartissent les producteurs et nous pouvons identifier 3 sous-ensembles. Alors commençons par le plus périphérique, le sous-ensemble de Longeville qui fait partie du plateau d'Amancé et qui est situé juste au pied de l'ondulation transversale sur le plateau d'Amancé qui est séparé de cette entité par la puissante vallée de la Loue. Hein. Ce paysage, il nous donne à voir beaucoup de prairies, mais on voit, c'est la bonne saison, des teintes brunes qui laissent à penser qu'il y a des labours dans le secteur. Et l'une des caractéristiques de cet espace, c'est que l'eau, certes, elle est abondante quand elle tombe du ciel, on en sait quelque chose quand on est rincé, elle est relativement absente de la surface. Vous n'avez pas de cours d'eau permanents qui sont présents ici. Ce qu'on voit ici aussi qui est particulier, qu'on voit beaucoup de haies avec des arbustes plutôt rabougris, des haies qui ne sont pas forcément continues et des haies qui ne délimitent pas forcément des parcelles. Nous avons des haies en nombre important qui sont développées et ces haies, pour que vous imaginiez qu'elles matérialisent les traces des anciens parcellaires. Ce que vous voyez là, c'est un paysage hérité qui subsiste après les remembrements qui ici sont établis dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Vous remarquez que ces haies ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas composées d'arbres de haute tige. Donc vous n'avez pas de production sylvicole importante qui sont faites ici. Quand vous reprenez la route et que vous descendez en direction de Falran, là, on va changer d'horizon géologique. Vous allez avoir des sols qui supporteront plus le développement d'arbres de haut jet et vous aurez des haies qui seront structurées, notamment par des frênes. Là, les haies, vous remarquerez qu'elles ont quand même un certain ordonnancement. Elles semblent nous protéger un petit peu d'un vent dominant. Ici, qui est la bise, qui comme aujourd'hui souffle bien. Alors nous, on n'a pas de chance, on n'est pas protégé par une haie. Regardez en face de moi, donc dans le prolongement de mon bois, vous voyez une accumulation de cailloux blancs, très blancs. Et en fait, on a des pierres et qui jalonnaient les champs. Patiemment, de siècle en siècle, les agriculteurs qui se sont succédés sur ces parcelles n'ont eu de cesse de les enlever et de les déposer sur les limites de leur propriété. Dans cet amas de pierres, on a toujours un arbuste qui va être plus résistant ou ailleurs un buisson de sureau ou une épine noire. Et de fait, nous avons le développement de ces haies arbustives qui matérialisaient les limites parcellaires. Donc vous avez ici un modelé karstique, vous avez une vallée qui prend naissance ici, une vallée qui n'a pas de cours d'eau en surface. Cette vallée, elle a réussi à dissoudre les calcaires sur les bords de ce petit bassin versant et c'est une vallée perdue, une vallée sèche, mais on se retrouve ici sur une moyenne montagne, calcaire, très bien arrosée, avec des sols qui sont très minces, qui retiennent de l'eau. Par contre, la contrainte qu'il y a ici, c'est l'exposition à la sécheresse des sols. Hein. Donc nous avons là un terroir qui est très sensible à la sécheresse. Mais c'est vrai que c'est un système qui ne se prête pas à l'intensification des pratiques fourragères, parce qu'il est vulnérable. Dès lors que vous augmentez le chargement à l'hectare, vous augmentez la sollicitation en ressources fourragères, et si vous sollicitez trop, vous risquez de perdre l'indépendance alimentaire qui fait la force du système de production que l'on a ici. Et les agriculteurs installent des stabulations dans lesquelles les vaches laitières sont logées et les animaux parcourent depuis la stabulation sur le pâturage en occasionnant le moins de nuisances possible aux riverains. Donc vous avez ces stabulations qui apparaissent dans le paysage. Elles sont généralement assez volumineuses. C'est surtout parce qu'il y a des volumes de stockage de fourrage importants. Ici, on fait du foin pour un certain nombre d'exploitations, du foin séché en grange, donc du foin en vrac. Et ça nécessite quand même des hauteurs élevées des bâtiments pour faire passer la griffe à fourrage qui est suspendue sous le toit. C'est un foin de très belle qualité qui
restitue à l'animal la meilleure, teneur en protéines et en énergie de l'herbe qui est récoltée. Ça peut être source de petits soucis si on fauche souvent trop tôt. Hein. Et la pratique du foin précoce n'est pas forcément compatible avec le maintien de la biodiversité des espèces qui sont présentes dans les prairies, puisque certaines sont fauchées avant qu'elles se soient reproduites. Et de ce fait, il y a un équilibre à trouver dans l'agencement des parcelles en fauche précoce et celles qui sont en fauche plus tardive. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots autour des situations où nous sommes. Merci. De baigner dans la production, oui, ça donne, c'est un atout en tant qu'élu, en tant que responsable, parce que ça permet d'aborder concrètement les choses. Je crois que les producteurs, quels qu'ils soient, sont pas si nombreux dans le banc des élus. Et puis, c'est une fierté aussi de pouvoir vivre à la campagne, de vivre proche de la nature, proche des animaux, et de vivre de cette campagne, de cette nature, c'est-à-dire de faire le lien entre cet attrait, ce goût qu'on a pour les paysages, pour l'environnement, et puis le fait de pouvoir en vivre économiquement, de pouvoir y travailler, d'y faire son emploi. Les producteurs de lait et de fromage AOP du massif jurassien sont soucieux et respectueux de l'environnement dans lequel ils travaillent, parce que ce terroir est l'essence même de la qualité de leurs produits. Ce qui fait la richesse de notre lait ici en Franche-Comté, c'est sa transformation, sa vente en produits de qualité, et puis le fait aussi que cette valeur ajoutée soit partagée tout au long de la filière et revienne aux transformateurs et aux producteurs. Et c'est ça qui fait de la richesse et des emplois en local. Ça, il faut vraiment préserver ça. Donc il y a un équilibre à trouver entre économie, travail social et environnement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut qu'ils restent les trois ensemble. Et on ne peut pas faire que l'un. Vous avez pu voir aujourd'hui des agriculteurs particulièrement conscients des enjeux, motivés et volontaires pour s'impliquer dans des démarches liées à l'environnement. Ils sont en effet 20 producteurs dans cette COP, mais ils sont représentatifs de nos filières AOP qui comptent près de 2700 exploitations, soit environ 5000 actifs directs. Ces projets sont connus des associations environnementalistes, dont certaines sont représentées aujourd'hui. Nous agissons ensemble dans un objectif commun, celui de la préservation de notre cadre de vie et de travail. Je vous remercie. C'est tout cet ensemble qu'on résume avec une journée comme aujourd'hui.